Bonjour, c'est Nahid Rachad depuis New York. Ma formation continue, mon training continue, ça se passe merveilleusement bien. Récemment, j'ai découvert les social experiments et j'ai adoré le concept de comment on peut un petit peu observer le comportement des humains et faire sortir des fois le meilleur juste avec des petites expériences. Et c'est ce que je me suis promise de faire cette semaine. Vous avez été nombreux à me faire des propositions, je vais les appliquer. Le problème, c'est que j'ai pas pu filmer parce que je suis seule et j'aurais adoré qu'il y ait une tierce personne avec moi pour vous montrer live comment les choses se passent. Je vais vous raconter ma première expérience. Je me suis dit comment je vais pouvoir impacter les gens avec un petit cadeau de manière à ce que peut-être rendre leur vie plus pas peut-être plus facile, mais en tous les cas avoir un apprentissage. Donc je marchais dans la rue et je rencontre un monsieur, un homeless, qui demandait 56, s'il vous plaît, je veux 56, je veux juste 56, donnez-moi juste 56. Et il mettait vraiment l'accent sur je veux que 57. J'ai pris ma poche, il y avait plein de pièces, je suis allée le voir et je dis tenez, vous avez demandé 56, je vous en prie, servez-vous. Et là, il me regardait, il se dit, elle me donne toutes les pièces de monnaie qu'elle a dans la main, elle me donne 1,56. Et en fait, il ne servait pas. Je dis, non, mais servez-vous, mais prenez 1,56, pas plus, parce que c'est ce que vous avez demandé. Et là, il m'a regardé, donc il a pris ses 56, j'ai remis l'argent dans ma poche en me disant, écoutez, voilà, si j'ai fait ça aujourd'hui, c'est que je voudrais que vous compreniez que dans la vie, vous avez le droit de demander énormément de choses. Et si vous ne demandez que 56, c'est ce que vous allez avoir, c'est ce que vous allez recevoir. Et je m'en suis rendu compte que dans notre culture, on ne nous a pas appris à demander. Et je vais vous le dire, à Harvard, on nous l'a dit, vous apprenez beaucoup plus de choses quand vous demandez beaucoup et grand que quand vous demandez peu. Parce que le pire, quand vous demandez peu, vous l'avez et vous n'apprenez absolument rien. Quand vous demandez beaucoup, des fois, vous ne l'avez pas. Et ça vous aiguise votre créativité, ça vous aiguise votre persistance pour que vous vous prépariez différemment. On a été « Hi !» Je viens, alors je suis en train de parler, il y a des policiers qui sont passés en train de me faire « Hi !» C'est super. Ça, c'est New York, voilà, la magie de New York. Et à Harvard, je me rappelle, on a eu, durant tout le séjour, des gens exceptionnels qu'on a rencontrés. À chaque fois, je suis allée pour demander beaucoup plus. Quand on me demandait le mail, je demandais le téléphone fixe. Quand on me donnait le fixe, je demandais le portable. Quand on me demandait le portable, je demandais qu'on soit mon mentor. Et vous savez quoi? J'ai tout eu. Apprenez à demander, la vie vous le rendra et laissez l'univers s'occuper de tout le reste. C'était Nahid Rachad depuis New York. Hadawa, Allah pour une nouvelle expérience. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la.